C'est le frérot Tensui qui m'a lancé sur le jeu. Du coup, l'objectif, bien évidemment, c'était de réussir à le battre à un moment donné. Et yo, la piraterie, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve de nouveau sur Duel de Pirates. Je vais avoir enfin mes 5 premiers persos, 280, et on va voir que ça fait toute la différence. Et justement, on va aller se faire des petites games, des petits combats contre le frérot Tensui, voir si on peut le battre enfin maintenant. Allez, c'est parti, je te laisse profiter de ça. Alors on verra que ma team commence à avoir vraiment de la gueule. Comme tu peux voir, j'ai atteint les petits 2 millions de puissance. On a le petit Zoro en PP maintenant qui régale. Le petit Zoro devant ici, bien évidemment. Et donc la team, voilà. Jaws 280, Riley 280, Luffy. Du coup, j'ai refait des changements depuis la dernière fois. Et il me semble qu'il n'y avait pas la team Luffy-Jaws. Je suis passé sur cette team-là qui est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup trop tanky. Il y avait le Kata, il me semble, juste avant. Mais du coup, le Luffy SB, enfin le Luffy, matrixé par OPBR. Le Luffy fait trop son taf. Le Luffy fait trop son taf, c'est juste une petite dinguerie. J'ai passé les petites spé durées, donc c'est pas encore max, mais j'ai encore pas mal de choses à up. Mais là, justement, après, il va falloir des 6 étoiles. Et pour l'instant, nos 6 étoiles vont être réservées. Là, ils sont 255, comme tu peux le voir. Et donc, en fait, ils sont pas up concrètement. Je les ai pas augmentés. Ils sont au level 1, ils sont dans la flotte. Donc, par exemple, si je les retire de la flotte, ils vont repasser au level 1. Et en fait, dès que t'as... Là, j'ai 4 personnages, 5 personnages qui sont minimum level 255. Donc 5 personnages que j'ai augmentés concrètement. Donc comme là, quand tu vas dans Faire Honnête, tu peux les voir. Voilà, là il y a seulement 5 personnages. Et c'est l'objectif qu'il va falloir atteindre. C'est d'obtenir ces 5-là, 280. Et comme ça, tous tes personnages vont passer 280. Donc là où ça va changer, par exemple, beaucoup. Ah, ne serait-ce que déjà dans ma team principale, là au lieu d'être à 255, ils vont passer à 280 les deux, ce qui va faire vraiment déjà une grande différence. Même là, à 255, ça fait déjà toute la diff. Et aussi ma team B. Et justement, la team B qu'on va présenter, pareil, il me semble pas l'avoir déjà présenté dans la dernière vidéo. Donc c'est pareil, hein, le frérot Ghost, le coach, qui m'a conseillé ce petit duo. Donc Iva Kuzan, qui est ultra fort, couplé avec Shanks dans l'idéal. Peut faire d'autres variantes et du coup la team pour l'instant ça donne ça. Avec un petit Marco devant, à l'avenir je remplacerai Jaws, je le mettrai à la place du Marco, ouais, je mettrai Marco et je mettrai Jaws ici, ou quoique, peut-être plutôt, ouais c'est vrai, peut-être je pourrais faire éventuellement Marco à la place de Luffy, peut-être ça serait mieux. Je sais pas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je suis pas encore trop rodé. En tout cas le duo Fuji-Kuzan, ça je sais, je kiffe bien, ça fait du sale, même ne serait-ce que avec le Iva, je pense que ça peut être un... Une team qui peut faire vraiment du très très sale. Bah, on ira justement tester un petit peu ça. J'ai commencé à atteindre le platine. J'ai réussi à atteindre le platine. J'ai pété des teams. Laisse tomber. D'ailleurs, attends, je sais pas si on va les avoir. Celui-là, par exemple. Team à 2, ouais, ça va. Ça reste assez tranquille. Attends, est-ce que je vais le retrouver? 1,8 million. Formation 2,5 millions. Mais ouais, il y a eu 2-3 teams. Je sais plus lesquels. Bah, de toute façon, on va les up. On va les up le cousin. Donc, justement, j'ai réservé. Ah, j'ai été patient, c'était long, là si je veux je pourrais presque, bon j'ai de quoi aussi up mon Zoro, j'ai récupéré 2 fragments sup, mais là l'idéal, pour utiliser mon 9 étoiles ici, pour passer mon Zoro, c'est 10 étoiles je crois, ouais c'est ça, 10 étoiles, mais le mieux c'est d'avoir voilà, tous les persos de 180, donc on va aller mettre ça sur Kuzan dans un premier temps, voilà hop. Petit Sento, petit Lucci qui m'a coûté cher, nos 15 000, attention, oh, ça va être lourd, et 280, vas-y, ah non, c'est vrai, améliore en un clic, normalement j'ai tout, dis-moi que j'ai tout, parfait, nickel, et voilà, la team va passer full 280, ah ça régale, j'ai pas fait gaffe du coup combien de niveaux ils ont pris, j'aurais dû faire attention à ça, ouais, bon, du coup j'ai pas grand chose de plus à augmenter, on a pris seulement 10 000 de puissance, ouais, c'est pas énorme, on va aller se faire des petits combats en arène, bon, je spoil, hein. On va spoil direct, hein. Mais ça y est, le frérot Tansui, je le passe, même mieux, je le passe, et j'arrive à le péter, et je sais même pas, je pense qu'il peut plus me péter, regarde, le frérot a fait une session d'attaque, il n'y arrive plus, ça ne passe plus, c'est magnifique, c'est beau, attends, on va enlever le passé, il y en a un, c'est Lomi que j'arrive à passer, maintenant, 2,5 millions, lui, je le passe pas, lui, il est impossible, c'est son Ace plus Weevil, je crois que c'est surtout Weevil. Et trop d'équipe en termes de malus, c'est abusé. Ah bah tiens, justement, en parlant de ça, il y a un truc que j'ai changé au niveau des runes qui fait vraiment trop la diff, je vous le conseille, c'est celle-ci, la rune purifiée, donc ça permet de, au début de son tour, 30% de chance de dissiper ses propres malus. Et donc, par exemple, pour un où ça me faisait trop chier, c'était sur les Zoro, les silences, déjà entre le Zoro Wano, puis maintenant le nouveau Zoro, plus tous les autres malus qui peuvent être embêtants, anti-soins, etc. Enfin bref, il y en a plein, et c'est vraiment un truc qui fait énormément la différence. Ne serait-ce que juste d'en avoir un,
il y a trop trop de situations où ça sauve, on le verra. Et du coup, je l'ai mis sur Riley, je l'ai mis bah, quasiment partout. Si je l'ai pas là, je l'ai dans les divans, en fait, tout simplement, dans les runes. Donc, j'ai opti pas mal de runes. Donc là, j'ai tout d'opti. J'ai vraiment avancé sur pas mal de petits détails. Donc, bon, on va aller taper nos petits combats d'arène. L'onglet. On va tester Lomi. Lomi, on le passe. Bon, il y a le petit spoiler. Les points avancent tout seuls quand on passe. Mais justement, ça fait plaisir. Attends, je sais pas si... Je crois que le son est un petit peu fort. On va baisser sans un chouïa. Hop, tac. Ok, on a pris déjà très très cher sur le Marco. Le Marco prend toujours pas mal de dégâts. Mais par contre, le Joe, on m'avait dit que ça pouvait pas être l'idéal. Mais dans ma team, je trouve qu'il carry trop. Ne serait-ce que d'appliquer autant de malus d'attaque. Là, tu vois, il a appliqué 20% de malus d'attaque sur toute la team. Et en plus de ça, il a appliqué, et ça c'est grâce aux runes, une réduction de 10% de vitesse à quasiment tout le monde aussi, je crois. Des fois, ça touche vraiment beaucoup. Et bah, la vitesse, ça, ça joue énormément parce que ça permet de savoir qui va commencer en premier. Et bah, celui qui tape le premier a forcément l'avantage. Un petit 1,2 million qui tombe avec le Ray, c'est propre. C'est propre. Le Ray commence à faire des dégâts qui sont juste absolument démentiels. Le Kuzan, ça va, on encaisse quasiment rien. On encaisse quasiment rien. Là, on se met très bien. On se met très bien et là, on enchaîne. On enchaîne de toute façon. On est trop trop bien. Là, cette team, elle est vraiment beaucoup trop OP. Hein. Je vous conseille deux tanks, un soin et deux DPS derrière. Comment ça fait trop du sale. Ah, le... C'est vrai que celui-là est quand même assez stylé aussi, ce Zoro-là. Est-ce qu'il a silence lui aussi? Je sais plus. J'ai un doute. Petit 430 000 de soins. On se met plutôt bien. J'ai pas encore eu les divins de soins pour les améliorer. Bon, Zoro pour l'instant, ouais, Zoro, 600 000, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Après, c'est sur les bonus, peut-être. Il y a des trucs intéressants. Hein. 300 000. Bon, il a pas besoin. Il a pas restauré des PV là. Il a anti-soin. Je crois pas, j'ai pas fait gaffe. Réflexion des dégâts qui fait plutôt son taf. On encaisse plutôt bien. Franchement, on en a déjà fait tomber. On a déjà fait tomber quelqu'un là. J'ai même pas fait gaffe, c'est qui a sauté. Ouais, voilà, regarde, là, il y a deux étourdissements. On va voir si les dissipés passent. Il y a 30%, voilà, dissipés sur le Jaws. Je sais pas ce qu'il avait, lui. Est-ce qu'il avait l'étourdissement aussi? Dissipé sur le Zoro, donc voilà. Là, il aurait pas joué son tour en temps normal. Et du coup, il l'a pu le jouer. Il a placé silence sur le Luffy Wano. Marco, allez, Marco, vas-y, dissipe. Voilà, let's go. 30% de chance, on a fait du 100%. Et du coup, forcément, derrière, on a remis 100% bien notre Jaws. Et c'est pour ça que juste, il y en a juste une seule. Une seule purifiée. Niveau 1 qui a fait un taf absolument monstrueux. C'est pour ça que les divins sont super importants, les gars. On va falloir vraiment utiliser purifier, combo. Et c'est lequel le troisième en priorité? Il y en a un troisième. Attends, on va aller check ça vite fait rapidement. C'est vitesse. Voilà, c'est vitesse. Vitesse est grave important. Et on va retourner. Voilà, hop. Bah là, on l'a atomisé. On l'a atomisé. Pourtant, on a. Il y a quoi? Il y a 600 000 de différence. Il y a 600 000 de différence. Il y a une sacrée team. Bon, après, eux, ils sont pas très optiques. Il y en a plein. Ils jouent un peu n'importe comment. Les équipements sont pas comme il faut. Il y a pas les bons divins. Il y a pas. Enfin, bref, il y a un peu... c'est un peu le bordel partout. Bon, ouais, Zoro. Ah, si. Bonne petite resto des PV quand même. 75 000. Ah, j'avoue, pour ça, il restaure bien. Du coup, la team est extrêmement compliquée à tomber. Extrêmement. Parce que du coup, il y a trop de restauration des PV, trop de tankiness. Et il y a le Ray qui vient faire des dégâts absolument miraculeux. Si le Ray tombe, ça devient beaucoup plus compliqué. Mais ça va, il tombe rarement. Allez, le frérot Tansui, normalement ça passe. Normalement ça passe. Qu'à sa team, voilà, tu vois, full 288. Donc il a un petit peu d'avance. Je crois que c'est après, c'est à chaque fois que tu up un perso max, tu prends un niveau de plus sur tous tes persos. Bon, si c'est pas de conneries, n'hésitez pas à me confirmer dans les commentaires. Et en tout cas, au début, j'arrivais pas du tout à le passer. Maintenant, ça y est, c'est l'inverse. Et nous, on se met bien. On Ray qui tape un petit peu. Il y a les petits boucliers qui reviennent. C'est vrai que maintenant, j'ai trop de trucs hein, qui s'ajoutent autant. Avant, c'était compliqué. Je prenais vite des dégâts. Mais là, avec cette nouvelle team, en termes de résistance, c'est trop. C'est trop. Ça joue trop, vraiment. Hein. Le Luffy, entre Luffy et Jaws, le combo résistance est juste abominable. La petite raillerie du Jaws, faut le provoquer. C'est important. Bon, là, il prend pas mal en resto. Au début, ce qui était vraiment chiant, c'était son Marco. Ouais, ça va. On prend un petit 600 000 sur le Luffy. C'est pas mal. C'est pour ça que le Luffy aussi, je l'ai mis. Parce qu'il fait un petit peu tank, mais aussi DPS. Donc, du coup, comme ça, on arrive à gratter un minimum. Bon, je pense que là, on devrait avoir pas trop de mal. Attention, est-ce qu'on va taper un minimum? Allez, un petit million, s'il te plaît, frère. Un petit million. Ah, le petit million. 1,1 million. Bon, ça va, ok. Je retire ce que j'ai dit. Mon Zoro, il est un petit peu plus cool. Une fois qu'il va passer un petit niveau d'étoile, j'espère qu'on va aller un petit peu mieux. Je sais pas. Et normalement, ils vont ressortir un minimum. J'espère, parce que j'espère que je vais pouvoir le compléter. Sinon, ça fait chier. Il va falloir partir en pur écho. Même là, son Jinbe, bon, il me faisait mal. Il me fait absolument rien. J'ai trop de bonus en fait. Réduction des dégâts 20%. Augmente la défense 15%. Augmente le soin reçu de 15%. Augmente la défense de 30%. Enfin bref, il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs. Enfin, c'est juste aberrant. Et ça, le pire, c'est que c'est sur tout le monde. C'est, je crois que c'est l'effet Luffy SBF. Encore Luffy SBF. Luffy Wano et l'effet Jaws. C'est ces deux-là qui font les bonus de défense principalement.
Après, ré, dégâts critiques moins, ouais, les petits malus sont chiants. C'est pour cela, à certains, ils peuvent pas être dissipés. Certains, ils peuvent pas être dissipés, mais rien que pour ce genre de malus, ça peut être important. Tu perds énormément de dégâts sur le ré. Et c'est pour ça que justement, aussi, il a encore plus de mal à faire des dégâts. C'est parce que lui, en plus de ça, il prend des malus. Bon, là, il en a plus beaucoup. Malus de vitesse, soins interdits. Bon, celui-là est quand même assez OP sur le Marco, il fait largement son taf. Sauf s'il a dissipé, et là, tout de suite, c'est beaucoup plus compliqué. Bon, il résiste un petit peu. Hein. Il résiste un petit peu. C'est pas aussi facile parce que justement la team est axée vraiment beaucoup sur la résistance. Et c'est vrai qu'au niveau des divins, j'ai changé un truc sur le raid parce que comme on peut voir, on prend pas beaucoup de coups critiques. Du coup, c'était plus intéressant de passer pour l'instant en deux divins de critiques et deux divins de dégâts critiques. Même si dans l'idéal, je pense à terme, il faudra passer en full crit. Mais là pour l'instant, sinon j'en touche jamais. Et si j'en touche jamais, en fait, je prends quasiment aucun dégât. Et des fois même, je crit pas le premier coup, je crit sur le combo et le combo fait trois fois plus de dégâts alors qu'il devrait en faire moins normalement. C'est juste n'importe quoi. Voilà, on a mis tout le monde un petit peu low PV, le Ray qui prend. Bon, on voit pas bien la barre de PV. Ouais. Le Ray prend cher, ça va, on gratte quelques petits dégâts, mais là encore une fois, toujours pas de crit, ça casse la tête. Mais même chose, en vrai, il gratte quelques petits dégâts. On verra justement à la fin, c'est vrai, les données, j'ai zappé ce détail. Voilà, le petit Ray découpé 600 000, ouais, 0, 0, 0, 0. C'est vrai qu'il est. Ok, il est devenu OP, j'ai l'impression là. Là, il est vraiment devenu OP. Au moins, la puissance d'attaque et de défense 15%, taux de critique. C'est vrai que j'ai même pas particulièrement beaucoup lu les trucs, je dois avouer. Je dois avouer que je me suis, si, certain un petit peu, un minimum, mais pas des tonnes, c'est clair. Voilà, le petit Luffy qui va faire son taf. Enfin, c'est clair, niveau dégâts, lui, il régale, il régale. Et là, du coup, bah, forcément, on n'est même pas low PV, rien, on n'a aucun risque. En fait, c'était ça, le seul défaut avant, c'était que j'avais des persos style Shanks, style Kata, qui mouraient beaucoup trop facilement. Et du coup, bah, derrière, si t'avais des tanks, mais pas de dégâts, ça servait à rien. Alors que là, on arrive à garder les dégâts. Attention, le petit Zoro, est-ce qu'il va nous mettre une... Un petit hachoir barré, fini. Oh, 300 000. 300 000. Ah oh, ouais, mais pourquoi 300 000 et tout à l'heure 1 million? Dites-moi les gars, pourquoi? Pourquoi? Est-ce qu'il... C'est quoi qui a changé là? Oh, il a le même bonus. Escrime oublié. Oh, peut-être le fait que... Ouais, mais non, Kata et Shanks, normalement, c'était sur Joe's avant, peut-être. Oh, il me semble que c'était sur Kata Shanks. Ils tankent peut-être mieux. Oh, ils ont beaucoup de malus, hein. C'est bizarre, hein. C'est bizarre. On va le finir dans la labeur. Hop, non, on peut faire passer. Tac. Est-ce qu'il y en a un autre qu'on va tenter? Parce que du coup, il y en a quelques-uns. Sosa, Sosa, est-ce qu'on peut le passer, Sosa? 300, 300, 300, c'est compliqué, ça, à mon avis. On va tenter, mais je pense qu'on le passe pas. Je pense qu'on le passe pas. Non, on le passe pas. C'était fort probable, malheureusement. Il y a qui d'autre qu'on peut tenter? Astel, ouais, je pense pas. Mais bon, si jamais sur un malentendu, 302 lui aussi, il y a de la Yamato. Il y a des grosses teams, il y a des grosses teams, c'est le problème. Attends, on va mettre en passé. Ce sera plus simple si on va faire des petits tests. Paneri, Paneri peut-être? Peut-être? Ah non, toujours pas, toujours pas, toujours pas. Ah, il y a que. Ah, bambou, dis-moi que je veux péter bambou. Non, vas-y. Je peux toujours pas le péter. C'est compliqué, hein. Va falloir charbonner encore. On va retenter sur ça parce que des fois ça passe pas et des fois ça passe. Bon, visiblement, Lomi, normalement de vol. Non, ouais, voilà, Lomi, des fois on le passe et des fois on le passe pas. Ça, non, bon, toujours pas. Bon, je vais gratter pas beaucoup. Hein. Je vais gratter pas beaucoup en termes de place. Après, devant, ils sont assez chauds, comme tu vois. C'est base, c'est ceux que je peux pas péter. Donc, pour l'instant, je suis 6ème. Ce qui est déjà pas mal du tout, on va dire, pour ma puissance. Et ouais, donc, on va voir rapidement au niveau des divins comment j'ai adapté. Donc, comme je te dis, voilà pour gratter. Alors, j'ai fait aussi au niveau des raffinages. Pour essayer de les économiser au maximum, mais ça coûte une fortune. Pour essayer d'adapter au mieux. Donc, j'ai essayé de, voilà, pour tous mes divins, mettre. Il fallait ce qui correspondait le mieux au personnage. Donc voilà, si c'est un tank, par exemple, tu vas chercher plus des résistances critiques, des taux de contrôle. Enfin, et si c'est plutôt des attaquants. Bon, là, en l'occurrence, pour Luffy, j'ai mis quelques petits bonus dégâts, mais j'avais pas le choix. Dégâts critiques servent pas à grand chose, mais il est là. Bon, voilà, on le prend. En tout cas, voilà. Ah oui, et pour le Ray, non le... Ouais, bon, Ray, voilà, pareil. J'ai fait petit doublon. Bah, pareil pour Ashura Bakay, dans la même mesure que. Même truc que le Zoro, et j'ai eu un petit divin 3 sur le Jaws. On va voir au niveau du bateau, du coup, ouais, c'est vrai. Du coup, comme j'ai eu une deuxième team, j'ai commencé à vite faire un petit bateau. Voilà, je vais m'arrêter là. Je le up pas plus pour l'instant, je pense. Et je vais continuer de finir celui-là, sur lequel j'ai déjà pas mal avancé. Et au niveau des trucs de guild aussi, c'est ouais, les compos. Donc, j'ai fini celui-là, 240 et 235 pour le tank. Donc dans 5, voilà, ça aussi c'est fini. Assistant seulement 125, ça sera le prochain à les focus. Mais j'ai déjà pas mal avancé, hein, comme on peut le voir. Et on va se finir sur. Ah ouais, tiens, on va aller sur. Ouais, ça, on va aller voir si on peut aller péter une petite team. 280, 280, je pense que c'est abordable. Je pense que c'est abordable. On va voir, tiens, justement, comment ils se débrouillent. Parce que eux aussi, normalement, ils sont tous 280. Parfait, ils sont tous 280. Est-ce qu'ils arrivent à. Ok.
La team est assez tranquille en face. Normalement, je pense qu'on peut la péter. J'ai mis un petit peu des équipements, mais. Je sais pas si c'est suffisant en vrai. Et vite fait des divins, il faudra que je fasse un petit focus sur le up du Kuzan pour qu'il casse un peu des bouchards. Ouais. En vrai, je pense même pas que je passe la première team. On va faire passer. Ah, on l'ose carrément. Dur, dur, dur. Vas-y. 2,83. 2,83. Voilà, 2,83 à la win. Oui, c'était ça les données. Ouais, bon, la première team fait rien. Pour l'instant, elle fait rien. Dégâts. Zéro, zéro. Il a juste subi des dégâts, mon pauvre Kuzan. Ouais, bon, pour l'instant. Ouais. Après, lui, il a mis sa première team directement. La deuxième team, justement, elle a commencé à charbonner. La dernière, bon, on l'a découpée ici. Ouais, encore une fois. Hey, putain. Oui, Zoro MVP, hein, attention. Il a volé le MVP au Ray. C'est étonnant. C'est la première fois d'habitude. Il fait assez peu de dégâts. 4 millions. Et là, oh, regarde, 1 million. Comment ça se fait? Comment on passe de 4 à 3? Je comprends pas. Des fois, c'est assez intéressant les données. Vous pouvez pas hésiter à checker. Allez, on va s'en faire une petite dernière. 280, je... Lui, on le soulève. On soulève. On va essayer de monter. Ah, bah voilà. Et bah voilà. On va s'arrêter là-dessus. On a réussi à atteindre le platine. Bon, prochain objectif, bah, c'est quoi le suivant? C'est quoi le suivant? Cristal, cristal, légende. Ouais. Prochain objectif, on va essayer d'aller récupérer le cristal.